et tu te rends compte des choses quand tu es à l'opposé du sentiment, tu vois, entre guillemets, quand tu es tout en haut, tu dis, ah, mais quand j'étais tout en bas, je devais travailler pour être où je suis. Et quand tu es tout en bas, tu te dis, bah, faut que je travaille, faut que pour, je aller travaille pour aller tout en haut. Et c'est là où c'est important de garder le droit chemin. Si je résume, le travail, c'est la discipline en vrai. Exactement. C'est l'exigence envers soi-même. Fianso, oh, ça va ou quoi? Ça dit quoi? On est là et toi? Tranquille? Ça va. Et là, tu m'as fait partir à Tours. Là, aujourd'hui, je suis dans le sud. Ouais, c'est beau. C'est beau, on se suit. Exactement. Quasiment un an d'intervalle, presque. Hein. Presque. C'était en novembre. Non, non, c'était en début d'année. C'était hiver dernier? Ouais. Hiver dernier. On avait les doudounes. Ouais. Il faisait très froid. C'est ça. En tout cas, je suis très content de te revoir, merci, même si on parle assez souvent dans la vie privée. Toi aussi. Et bon, c'est cool, aujourd'hui on se voit, il fait beau, il fait chaud, c'est le début de la saison. Exactement. Comment tu te sens? Écoute, je me sens bien. Je suis revenu d'une lésion au quadriceps. Tu commences à mûrir, à être beaucoup plus expérimenté, chose qui a pu te faire défaut par le passé. Et aujourd'hui, tu vis des périodes, comme tu le disais, un peu contrastées, où un coup ça va bien, un coup ça va pas, un coup ça va bien, un coup ça va pas. Et est-ce que le fait d'avoir compris que voilà, il y a tes petits frères qui sont derrière toi, qui aussi vont devenir potentiellement peut-être footballeurs, toute ta famille qui te suit, et aussi le fait de grandir, ça t'aide un petit peu à gérer toutes ces périodes-là? Je pars du principe que une carrière, elle est jamais linéaire, tu vois. Qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, en tant que grand frère aussi, je dois l'inculquer à mes frères, que le football, je le compare souvent à la vie, tu vois. Il y a des hauts, des bas, et faut savoir s'en relever. C'est pas des choses très lourdes en soi, mais qui peuvent peser dans la tête de jeunes footballeurs. Quand on joue pas, quand le coach fait pas appel forcément à nous, qu'on est sur le banc, voilà, c'est des choses qui en soi sont pas énormément problématiques, mais faut savoir les gérer. Faut savoir les gérer, tout simplement, ouais. Et se dire que faut travailler. Et que quoi qu'il arrive, tu auras ta chance, tu vois. Et que si tu gardes ta ligne de conduite, le travail, je pense que voilà, il peut rien t'arriver si tu continues et tu as la tête froide, t'es droit envers toi-même et tu te prends pas pour un autre. Je pense que ça devrait le faire, tu vois. Maintenant, il y a ce travail qu'il faut jamais négliger. Le travail, c'est un mot qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout au long de ta carrière. Parce que j'en ai pas parlé au début, mais tu as eu une carrière où tu as eu un début de carrière où tu as dû énormément travailler pour arriver à être aujourd'hui joueur de l'AS Monaco. On va revenir rapidement là-dessus. Tu commences le foot dans ton quartier, aux Fontaines. Tu fais un petit peu les clubs de la banlieue de Tours, puis tu signes à Rennes, dans des conditions avec le bras dans le plâtre, ou toujours toi en fait, toujours t'as dû toujours passer des obstacles. Donc tu fais un essai avec le bras dans le plâtre, à la suite tu fais ta formation à Rennes, et puis après tu arrives à l'AS Monaco, où pareil, pas linéaire, ouais, à des moments ça va, des moments ça va pas. Et aujourd'hui, dans la forme actuelle que t'es, et avec tous les jeunes qui nous regardent, j'aimerais juste, avant de passer sur un autre sujet, que tu nous expliques qu'est-ce que ça veut dire travailler pour toi. Qu'est-ce que tu as dû faire en termes de travail pour ne serait-ce que déjà être fort mentalement, parce que travailler le mental, c'est aussi du travail.
enfin renforcer son mental, c'est aussi du travail, et aussi au niveau de ses performances. Je sais que tu mets beaucoup de choses en place, est-ce que tu peux nous en parler ? Non, le travail, c'est... En soi, c'est qu'un mot, tu vois, mais c'est plus les actes qui sont importants. C'est toujours garder le droit chemin, tu vois, toujours... plusieurs choses, tu vois, c'est se coucher tôt, bien manger, voilà, faire sa récupération à la maison, son entraînement, travailler en salle, c'est un ensemble de choses, mais en fait le truc c'est que toutes ces choses là peuvent varier en fonction de ton humeur. Des fois tu peux avoir perdu un match, tu peux avoir perdu un entraînement, tu peux ne pas être bien par rapport à ta situation actuelle. Et en fait le travail pour moi c'est vraiment ne jamais changer, que ça soit quand tu es tout en haut ou quand tu es tout en bas. Parce que quand tu es tout en haut, tu as tendance à te relâcher. Et du coup, tu te dis, ah, j'ai peut-être... Tu vois, c'est mental, en vrai. C'est juste humain de se relâcher. Et c'est là où le travail en soi, il est important. C'est que quand tu es en haut, bah, tu continues à travailler et à garder cette ligne, ce chemin. Et quand tu es tout en bas, bah, des fois, tu as plus la flemme, t'as envie de lâcher. Voilà, tu lâches beaucoup plus vite. Et encore là, c'est ce moment-là où faut que tu travailles. Et tu te rends compte des choses quand t'es à l'opposé du sentiment, tu vois, entre guillemets, quand t'es tout en haut, tu te dis, ah, mais quand j'étais tout en bas, je devais travailler pour être où je suis. Et quand t'es tout en bas, tu te dis, bah, faut que je travaille pour aller tout en haut. Et c'est là où c'est important de garder le droit chemin. Si je résume, le travail, c'est la discipline en vrai. Exactement. C'est l'exigence envers soi-même. Ne jamais relâcher les choses. Et voilà, après, on a le droit de faire 2-3 écarts quelquefois pour relâcher la pression. Parce que le foot, c'est un métier qui prend beaucoup. Hein, dans une vie, et je pense que des fois t'as des moments où tu peux relâcher la pression, mais quand t'es au travail, faut rester concentré. Faut bara. Exactement. Et il y a un terme que t'as évoqué, que je vais reprendre avec toi, et qui résume certains de tes choix un peu actuels. C'est l'exigence envers toi-même, l'exigence envers soi-même. Et tu es hyper exigeant envers toi-même. Bon, même. Un peu trop. Un peu trop même. Même quand tu marques un but, des fois, c'est pas assez. Bien alors sûr. Que tu as peut-être fait un bon match, mais tu as raté quelque chose ou quoi. Et c'est un petit peu pareil dans la manière dont tu vois un peu ta carrière. Aujourd'hui, on parle beaucoup de toi par rapport à tes origines. Tu es sénégalo-marocain. Et tu es aussi français, tu es né en France. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de pourquoi tu n'as pas encore choisi ta sélection nationale, monter en équipe de France Espoir. Bien sûr. Ça se passe plutôt bien en plus. Tu as tes origines sénégalo-marocaines où dans les deux pays, on a envie que tu rejoignes la sélection. On se connaît bien en dehors, donc c'est un sujet qu'on a déjà évoqué ensemble, même si on n'en a pas parlé des MAS. Mais moi, je sais que tu n'as pas encore fait de choix. Et déjà, de toute manière, tu es en équipe de France Espoir actuellement. Parce que tu es hyper exigeant envers toi-même. Et le travail que tu es en train d'accomplir en club, pour toi, n'est toujours pas abouti. Bien sûr. Mais il sera, en soi, il ne sera jamais abouti tant que je n'aurai pas terminé ma carrière. Mais ça, c'est sûr. À l'heure actuelle, c'est sûr que voilà, j'ai beaucoup de sollicitations. Mais pour moi, il est important de pouvoir... m'imposer déjà dans mon club et après voilà, il y aura une réflexion qui sera faite, mais à l'heure actuelle je suis pas dans le choix de la sélection ou quoi que ce soit. Je suis en équipe de France Espoir, j'ai un potentiel euro à aller chercher. Vous êtes qualifié
Bien sûr, exactement. Donc, tu feras le choix au moment opportun. Mmh. On termine là-dessus. Parfait. En tout cas, moi, je suis, comme je t'ai dit, hein, je suis content de toi et je suis content pour toi. Merci beaucoup. De voir que, malgré le fait que tu joues un poste, surtout tu joues un poste où c'est compliqué, où quand tu n'as pas de statistiques, tu peux très vite te retrouver sur le banc. Et je suis content de toi parce que à chaque fois que tu es mis en difficulté, tu rentres et tu fais la diff. C'est l'exigence du haut niveau, voilà. Il y a de la concurrence, j'en suis conscient. Le coach met la meilleure équipe possible. Voilà, moi je suis dans un club où il y a énormément de concurrence, où énormément d'offensives pour peu de postes, parce qu'au final c'est 11 joueurs qui jouent. Hein. Et voilà, non, ça fait grandir. Ça fait grandir. C'est sûr que j'aimerais avoir plus de temps de jeu, mais voilà, ça me pousse à être plus fort que les autres. Et ça fait partie du foot. Voilà. Et à faire des rentrées de fou aussi. Certes, il y a de la concurrence, mais on marche tous vers la même direction. Tu vois. On a tous des objectifs individuels, mais le collectif prime avant tout. Tu vois. On travaille tous pour la victoire et on est focalisé tous sur la même chose. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur, comme tu le sais bien. Merci toi et aussi. Et que cette saison continue à porter ses fruits et que tu ailles le plus haut possible. Je sais que tu as une exigence envers toi-même avec des objectifs très élevés. Et j'espère que tu vas tous réussir à les atteindre. Merci beaucoup. On finit là-dessus ? Parfait. C'est carré.